Bonjour, bonjour, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, vous tous qui nous suivez depuis vos maisons. C'est le temps de Kairos. Kairos qui est le temps de Dieu. Kairos qui n'est pas le temps des hommes, Kairos qui est le temps de Dieu. Car le temps de Dieu est différent du temps des hommes, qui est le Chronos. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore dans ce nouveau numéro de cette émission Kairos de tous les jours, le lundi à 17h, qui est l'émission de la Cité du Roi des Rois, qui est une très grande communauté, l'église de l'Église, la Cité du Roi des Rois. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur un thème, le temps de l'Esprit. Le temps de l'Esprit, et le lundi passé, on était avec l'apôtre Antonio qui nous a beaucoup enseigné, parlé sur un thème dans le livre des Actes des Apôtres. Alors aujourd'hui, je vais parler sur un thème, et ce thème-là, on voit, c'est toujours dans la marche de l'Esprit, et on voit lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 13. Ésaïe, chapitre 61, verset 1 jusqu'au 3e verset. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au milieu de la cendre, au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, enfin qu'on les appelle des thérapeutes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore lire le passage biblique, encore. Je vais ajouter encore le passage biblique dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 6e verset. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau. » et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et le filet s'est rompu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur le temps de l'Esprit. La marche, soit le temps de l'Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, il a pris le livre de prophète Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, Jésus-Christ enseigne et annonce une année de grâce. Voilà, je voulais dire à quelqu'un, le temps de l'Esprit, voilà le mystère de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'arrêta à proclamation de l'année de grâce du Seigneur, alors que l'Église commence avec le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont affligés.
Le temps est venu pour que tout domaine encore difficile de votre vie soit consolé ce soir. Le jour de la vengeance est là. Tous ceux qui agissent jusqu'ici, le ciel agiront contre eux maintenant. Aucune force de l'enfer ne vous molestera plus jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Jésus-Christ dit ceci. Il est bien que je m'en aille, afin que je vous envoie un autre consolateur. C'est lui qui va vous conduire. C'est lui qui va vous orienter. C'est lui qui vous enseignera. Écoutez, bien-aimés, il est notre consolateur. C'est lui, nous sommes dans le temps de l'Esprit. C'est lui qui est conduit par l'Esprit Saint. Il est intouchable devant le sorcier et devant le marabout. Alors le Saint-Esprit vient pour nous consoler. Le Saint-Esprit console nos cœurs. Et ce soir, je voulais dire à quelqu'un, dans le temps de l'Esprit, je voulais dire à quelqu'un, il console tous ceux qui plairent. Le Saint-Esprit console tous ceux qui plairent. Écoutez, cela veut dire qu'il y aura des gens qui ne seront pas consolés jusqu'à ce que vienne la vengeance. Le jour de la vengeance de notre Dieu est là. Tout ce qui agit contre votre confort est maudit maintenant même. Tout ce qui cherche à ce que vous continuez à plaire est maudit maintenant. Dieu a dit, par mon esprit, je désignerai pour vous des choses qui sont pour la vie et la bonté. Plus de déception pour vous. Dieu vous a désigné de la beauté au lieu des cendres. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, il a travaillé toute la nuit. Quand il a jeté des filets toute la nuit, il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Et Pierre était là. Et le matin, ils ont commencé à laver leurs filets. Ils lavaient leurs filets parce que toute la nuit, ils ont fait le travail. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien gagné. Alors le matin, ils étaient là. Alors Jésus-Christ était aussi là. Il est passé par là. Alors il a trouvé deux barques qui étaient là. Alors Jésus est monté dans une des barques. Et la barque qui appartenait à Simon. Alors il dit à Simon, il commence à prêcher la parole de Dieu. Et après, il lui dit à Simon, tu dois avancer maintenant dans la profondeur des eaux. Tu dois aller là-bas parce que c'est là où tu dois jeter le filet. Alors écoutez, Pierre dit, Seigneur, nous avons fait le travail toute la nuit. On n'a rien trouvé. Tosu et l'eau comme côté. Tina tongo tongo awa. Tokomiko sokola na biso kaka ba filet na biso to sala nini to zonga na ndako parce qu'on connaît que on sait que comme on a raté je pense que lobi to kozonga le susu na butu mais comme Jésus-Christ était là Jésus-Christ était conduit par la puissance du Saint-Esprit Jésus il savait que si Pierre va avancer encore dans la profondeur quand il va jeter le filet alors Pierre dit ceci, sur ta parole, je jeterai le filet. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, le temps de l'Esprit, c'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il peut t'amener dans un endroit où tu peux rencontrer une porte qui t'est réservée pour ta bénédiction. Je voulais dire quoi? Le Saint-Esprit, il peut t'amener dans une terre parce que lui-même, il connaît la géographie de là où se cache ta bénédiction. Parce que pour Saoul, il est sorti pour chercher quoi? Les ânes perdus de son père. Mais le Saint-Esprit a touché les serviteurs qui étaient avec Saoul pour que Saoul soit conduit là où se trouvait le prophète Samuel. C'est là où il avait sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit console, il console nos cœurs. Il peut consoler ton cœur. Toi qui as beaucoup travaillé, quand Jésus est venu,
il a consolé Pierre. Parce que Pierre, il avait eu déjà le chèque. Il avait déjà eu le chèque. Il a travaillé toute la nuit. Il y a des gens qui travaillent dans leur travail. Ils n'ont jamais trouvé. Je t'ai dit, mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, c'est le temps de l'esprit. Donne ta vie à Seigneur Jésus-Christ. Ce qui a fait que Jésus-Christ puisse dire à Pierre d'amener la barque dans la profondeur des eaux, c'est quoi? Parce que Pierre avait donné l'une de ses barques pour que Jésus-Christ puisse prêcher la bonne nouvelle. Tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as vu que dans tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, ma sœur, ozo mona musala ozo sal, makambo ezo simbati. Nyo ozo sal, ozo mona toujours ba échec sur les échecs. Ozo mona na musala, ozo mona makambo ezo bongati. Mais Pierre aussi, il est passé par ces cas-là. Il est passé aussi par ces problèmes-là. Lui qui avait la connaissance, lui qui avait vraiment l'expérience de la nuit pour mieux pécher. Mais Jésus-Christ est venu pendant la journée. Oh, que pendant la journée, on ne peut pas faire la pêche. Oh, c'est quand Jésus-Christ est venu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est notre consolateur. C'est pour cela qu'il lui dit, il est bon que je m'en aille, afin que votre Père vous envoie encore un autre consolateur. C'est lui qui vous conduira. Le Saint-Esprit, maman, a qui conduire yo ndeko. Et si ka, l'ipamboli na yo, est caché. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il dit, il consolera tous ceux qui plairent. Il y a des gens qui plairent. Ozo le labisiko zali. Tu plaires pour ton travail. Tu plaires pour ton mariage. Tu plaires pour ta santé. Tu plaires pour tes enfants. Tu plaires pour tout ce que tu es en train de faire. Tu es en train de plaire parce que rien ne marche dans ta vie. Mais je t'ai dit une chose. Jésus a déjà proclamé déjà une année de grâce. Mais il fallait que Pierre soit là. Quand il est monté dans la barque de Pierre, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. C'est après qu'il lui dit à Pierre, maintenant avance maintenant là-bas. Quand Pierre est avancé maintenant dans la profondeur de l'eau, ceux qui ne sont pas montés dans le cœur de Pierre, même dans ses pensées, parce que Pierre, pour lui, pour ses expériences, il voyait que seulement que c'est fini. Mais le Saint-Esprit a dit maintenant à Pierre, avance encore. Et Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, sur la parole du Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, la parole de ton père peut te tromper. La parole de tes ancêtres peut te tromper. La parole de ton mari, de ta femme peut te tromper. Mais il y a une parole qui ne trompe jamais. Il y a une parole qui ne ment pas. Car la parole de Dieu me dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il lui dit à Pierre, avance encore. Mais Pierre comprend directement. Pierre était aussi averti dans son esprit, il a dit que non, selon mes expériences, je peux refuser. Mais comme tu viens de me dire, sur ta parole, je vais aller maintenant dans la profondeur. Je vais jeter le filet. C'est quand il est parti, il a jeté le filet, bien aimé. Il y a vraiment une pêche miraculeuse. Je parle à quelqu'un. Ce soir, il y aura un miracle dans ta vie. Un miracle, un surnaturel. De ce que tu attendais, de ce que tu étais en train de chercher. Si c'était la bonne santé, que la guérison soit ton partage. Si tu es dans l'hôpital, il y a beaucoup de gens, baso benga biso, basali ba AVC, baza malade. Na moninde konanga mokwa wuti na ye owando. Afuti na ye biye na ye po aya kolukanzambe. Aïe na Brazzaville pour na Kolukanzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Alandi bisoka kana télé. Nenge yopé ozo landa bisok. Aïe ti jusqu'à la cité du roi des rois. Bien-aimé, il est temps de chercher Dieu parce que c'est le temps de l'esprit. Pierre, il a donné d'abord sa barque. Il a dit que c'était Elokonaya Moussala. Il a donné ça d'abord à Jésus pour que Jésus-Christ puisse prêcher la bonne nouvelle.
C'est là où Jésus-Christ lui dit, avance maintenant. Avance maintenant. Olela mingi. Onyo kwama mingi. Bitumba ya famille kanga bino. Ba lien ya famille kanga bino. Ba limitation ya famille. Bozo lela tous les jours. Mi kolonyo so bozo lela. Et si kabatu bazo resire bino bo resi sakate. Ba limitation kondana bino. Eza na ba lua moko etabli ya famille na bino. Oye kanga kabino. Vous commencez bien. Mais vous finissez toujours mal. Je viens de te dire ce soir que Pierre aussi l'a fait la pêche toute la nuit. Mais il n'a rien trouvé. Je voulais terminer par ici plutôt. C'est quand Jésus-Christ lui dit, jette maintenant le filet. Et bien aimé, il a attrapé des gros poissons. C'était vraiment quelque chose. Oh yo, la parole me dit, même leur filet, et Katanaki, oh, c'était pêche en dengenin. Oh, ya sala jurwana. Atikala ko sala ngomu kolomoso sote. Sur la parole que je te prêche ce soir, bien aimé, même si tu es malade, je crois la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, pour bénir. La main de Dieu va te toucher, ma soeur. Va te toucher, mon frère. Toi qui as un problème de boulot, un problème de travail. Je te dis ce soir de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et sur cette parole, il est le consolateur, cher Saint-Esprit, qui console ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont en train de pleurer, des familles dépiécées, des familles qui n'ont pas de valeur. Un travail, tu travailles quelque part, mais on ne te considère pas. Il y a un esprit de rejet, maman, qui est sur toi. Il y a un esprit de femme et mari de nuit qui te tourmente. Mais Pierre, il a dit que sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre une décision pour dire que sur cette parole que je viens d'écouter, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit mon problème, quelle que soit ma situation, quelle que soit l'histoire de ma famille, quand je voulais dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille ne sont pas plus puissants que Dieu Jésus-Christ que je t'enseigne ce soir. Pierre, il a vu le miracle. Alors je voulais dire à quelqu'un, le premier numéro là, c'est le numéro d'appel. Et pour nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays, à l'étranger, c'est aussi un numéro qui est sur WhatsApp. Et le deuxième numéro, c'est le numéro pour le message. Vous pouvez nous appeler et vous pouvez envoyer le message dans le deuxième numéro. Et je profite pour donner l'adresse de l'église. Nous sommes Église, la cité du roi des rois, située en Pila. Donc, référence, Port ATC Pila. En face de Port ATC Pila, donc avenue Edith Lucie Bongo, numéro 19. Venez, parce que aujourd'hui, ce soir, nous commençons 10 jours de prière, de 18h à 21h. C'est un moment de puissance. Donc, après cette émission, nous serons déjà dans la prière à partir de 18h à 21h. Alors, je vais prendre un appel parce que je vais introduire l'homme de Dieu, le prophète et apôtre Antonio, pour nous parler quelque chose. Allô? Bonsoir, papa. Ouais, je voulais savoir, j'ai un problème de blocage. Je voulais que le pasteur prie pour moi. Ok, un problème de blocage, papa. On va prier pour vous. Le nom, c'est qui, papa? Papa Lévin. Pour ton problème de blocage, je prie maintenant que la main de Dieu te touche pour débloquer toutes tes situations et que tu vois la main de Dieu. Au son de ma parole et par la puissance de la parole de Dieu qui a été relâchée ce soir, que l'éternel Dieu change ton histoire, que l'éternel Dieu commence à débloquer ton mariage, ton travail, ta santé, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, on va prendre l'apôtre Antonio. Il va nous dire quelque chose
et on va revenir pour les appels et les SMS. Premier numéro, c'est le numéro pour les appels et ce numéro-là aussi sur WhatsApp. Et deuxième numéro est sur SMS. Appelez, toi qui es déjà fatigué, qui pleure déjà, Pierre aussi pleurait, mais il a vu la main de Dieu. Jésus-Christ est là pour te sauver, pour te guérir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne te fasse de la peine parce que tu as des faiblesses. Le seul problème des faiblesses, c'est que tu dois te rendre compte et tu dois réaliser que ça, c'est une faiblesse. Ça, c'est une faiblesse. On te demande de faire un jeûne au corps. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu as toujours des raisons. C'est normal que vous n'arrivez pas à atteindre les niveaux. Si tu atteins tes sommets, quelqu'un qui dit, mais toi, c'est qui le gars là, Zuckerberg, non? Facebook. Toi, tu sais ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau-là. Quand on te dit atteins tes sommets, donc c'est en dormant que tu vas atteindre les sommets. Tu penses que les gens qui atteignent les sommets n'ont pas de faiblesse? Aucun être humain sur la terre manque de faiblesse. Mais on travaille sur ses faiblesses. Écoute, il peut arriver que les faiblesses deviennent une opportunité devant Dieu. Une faiblesse peut se tourner en opportunité devant Dieu si cette faiblesse est une solution pour une multitude de personnes. Écoutez, comment il s'appelle? Moïse était bègue. Moïse était bègue. C'était une faiblesse pour Moïse. Il dit à Dieu, ne m'envoie pas parce que je suis bègue. Mais Dieu a trouvé ça comme une opportunité pour que Moïse ne s'enorgueillisse pas, qu'il ne devienne pas fier. Voilà, vous aurez compris que nous sommes déjà en train de baigner dans la mouvance du Saint-Esprit avec un message puissant que l'homme de Dieu vient de délivrer. Et là, je veux vous dire que voilà, le temps est arrivé maintenant pour vous d'expérimenter Dieu. Appelez à tout moment, écrivez déjà quand vous pouvez, parce que les deux numéros sont déjà ouverts, déjà accessibles. Mais je vous emmène juste un complément sur ce que l'homme de Dieu vient de dire. Vous savez qu'il n'est pas toujours évident d'ajouter à la parole de Dieu ce qui a déjà été dit. L'homme de Dieu a déployé le ministère de puissance et d'esprit. Je veux, par la grâce de Dieu, vous apporter simplement un texte pour ajouter, ou sinon pour commenter ce que l'homme de Dieu venait de dire tout à l'heure. Nous sommes dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 16. Je lis au nom de Jésus. « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, remit aux serviteurs et s'assit. Tous qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, là j'aime cette partie, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est le message que le prophète venait de délivrer tout à l'heure. Ça a été dit dans la prophétie d'Ésaïe, mais la parole est venue s'accomplir dans les évangiles. Comme pour dire que le prophète Ésaïe parlait de quelque chose. Le prophète Ésaïe avait annoncé la prophétie. Le prophète Ésaïe avait prédit l'avenir. Mais la parole que Ésaïe avait annoncée ne s'était pas accomplie à l'époque de Ésaïe. Les gens sont venus après Ésaïe, mais la parole ne s'était jamais accomplie. Il y a eu des prophètes, Jérémie, Zacharie, Malachie, tout ce que vous lisez dans la Bible, mais la parole ne s'était jamais accomplie. On est arrivé dans la nouvelle alliance à l'ère de Jean-Baptiste, à l'ère du sacrificateur
Zacharie, toutes ces choses, la parole ne s'était jamais accomplie. Mais il avait fallu que l'homme, qu'on appelle la parole de Dieu faite chair, vienne pour dire au monde que ce que vous avez longtemps entendu, ce que les prophètes ont annoncé, s'accomplit aujourd'hui. Donc Jésus est venu pour montrer aux hommes que tout ce que les prophètes annonçaient s'agissait de moi. En fait, c'est moi qui viens pour accomplir ce que vous avez entendu. Voilà pourquoi nous l'appelons la parole de Dieu faite chair. Il est l'accomplissement des prophéties. Il est celui qui a vu la situation du monde dans le chaos. Il a dit ce qu'on vous a annoncé, la guérison, la délivrance, la grâce, les bénédictions, la prospérité, toutes ces choses s'accomplissent à partir de maintenant. Et ce qui est bizarre, c'est que quand il parle que l'Esprit du Seigneur est sur lui, le Seigneur l'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs. C'est-à-dire qu'à chaque moment, vous sentez qu'il y avait une distinction. Aux uns, il devait annoncer la bonne nouvelle. Aux autres, il devait apporter la guérison. À d'autres encore, il devait apporter la délivrance. À d'autres encore, il devait apporter la grâce. Comme pour dire que ce que Jésus fait dans la vie d'une personne n'est pas forcément ce qu'il devrait faire dans la vie de l'autre. Chacun de nous reçoit la parole en fonction de son besoin. Donc, ce qui est vrai, ce qui est sûr, n'aie pas honte de ton problème. Quel que soit le problème que tu traverses, la parole de Dieu, faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, nous a investis pour vous apporter cette grâce, cette onction et cette guérison. Commencez maintenant à appeler parce que l'atmosphère est déjà dégagée, le ciel est déjà grandement ouvert et nous savons que Dieu est à l'œuvre maintenant. Jésus a dit que l'Esprit est sur lui pour faire. Et vous avez vu que le lundi passé, je vous avais dit que Pierre a fait le miracle à ce boiteux. Il a dit, je n'ai ni or à te donner, mais il dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Donc toutes ces choses ne se trouvaient nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Il est la parole de Dieu faite chair. Il est ton miracle, il est ta solution, il est ta guérison. Il est même ta délivrance. Là, je veux dire à celui qui nous a appelés pour parler des blocages, Jésus-Christ est celui qui apporte la délivrance là où il y a des blocages. Restez connectés, ne perdez pas de vue, car le temps est venu maintenant pour que Dieu fasse des grandes choses. Le temps est venu pour que Dieu accomplisse des merveilles. Ne dites jamais que qu'on vous prêche seulement le message de guérison ou de miracle. Non, ne dites pas cela. Mais considérez que lorsque la parole de Dieu vient, elle vient pour répondre aux besoins de tout un chacun par rapport à ce que tu exprimes comme désir. C'est par rapport à ton besoin que la parole de Dieu viendra vers toi. Aux uns, c'était la délivrance, mais aux autres, c'était la grâce. Aux uns, c'était la guérison. Aux autres, c'était la libération. C'est pour dire à quelqu'un, quel que soit le problème que tu traverses, la parole que nous te prêchons a la solution. La parole que nous t'annonçons a la capacité de t'emmener la solution. Pourvu que tu crois seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ces choses arrivent maintenant. J'ai donc parlé à quelqu'un. Et nous voulons dire aussi à tout le monde, je veux insister sur ce programme. Pour donner à tout le monde l'opportunité de rentrer dans cette saison que nous sommes en train d'annoncer, le temps de l'esprit. Nous sommes en train de passer 10 jours d'affilée de prières, de délivrance, de miracles sous le thème redynamiser, conscientiser et orienter. Ces choses, nous vous les apportons pour vous dire que c'est encore possible que Dieu change votre destinée. C'est encore possible que Dieu change le cours de votre histoire. C'est possible que Jésus-Christ de Nazareth fasse avec vous au-delà de votre imagination, pourvu que vous croyez. Ouvrez vos cœurs, car le temps est venu. À partir de 18h, aujourd'hui, nous sommes à l'église Cité du Roi des Rois. L'adresse, c'est 19 avenue Edith Lucie Bongo Ampila. Vous quittez la gare, vous prenez un moyen, vous quittez la gare, vous longez le goudron de S-Log. Juste après S-Log, l'église est là. Vous quittez Blaché, vous quittez Ebina, vous prenez Blaché, vous dépassez la brasserie du Congo. Vous arrivez là, le port ATC, l'église est ouverte. Aujourd'hui, à partir de 18h, jusqu'à dimanche et même la semaine prochaine,
Tous les jours, nous sommes en prière. Mais au milieu de ce programme, il y a encore un autre programme que nous faisons tous les matins, de lundi à vendredi, de 6h à 8h. Nous sommes en train de parler d'un thème très puissant, défricher un nouveau champ. Nous vous invitons, bien-aimés dans le Seigneur, à venir le matin. Préparez votre journée avec Christ. Cependant, 40 jours d'affilée, nous sommes en prière chaque matin de 6h à 8h. Mama, papa, ozo landabiso, yeba que solution et à problème na yo, eza mosikate, eza kati na yesu. Kombo na yesu, eza na makoki, yako sala nyoso. Cité du roi des rois, fongo libino ba porte, boyaka ebele, boyaka na ba famille, bon mema ba ka difficile, yesu aza nabomoi. Je vais donc laisser la place à la régie pour nous donner un extrait de l'évangile de la servante de Dieu, le prophète Annie Carmel, après quoi nous reviendrons sur ce plateau pour prier pour vous et pour clôturer ce message. Pour moi personnellement, tous les événements se sont rassemblés pour me permettre aujourd'hui de me lever. Je pense que le quorum est atteint pour moi et pour l'expertise que j'ai eue et pour le cheminement que j'ai eu avec Dieu, que le temps était arrivé pour que je me lève et pour que je puisse parler du Seigneur. Gagner ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et aujourd'hui, vu ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du monde. Hein. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je peux me lever pour leur partager mon expertise et parler du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient bientôt, qu'il est vivant. Vu les circonstances que j'ai traversées, vu les problèmes que j'ai traversés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa main dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses. Il reste le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me lever, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Il faut le célébrer d'une certaine manière et dire au monde qu'il est vrai, qu'il existe dans la vérité. Et Dieu ne tient pas compte de nos faiblesses des fois. Mais les faiblesses, il faut les traiter. Il faut traiter les faiblesses. Dieu, il te laisse la capacité de traiter tes faiblesses toi-même. Paul s'est plaint, non? Oh, vraiment. Dieu, tu ne vois pas? Tu ne vois pas David, tu l'as utilisé, il était beau, non? Mais moi, pourquoi tu me laisses cette écharde-là? Dieu dit, ah, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème qui peut m'empêcher de t'utiliser? Ça veut dire que les faiblesses, c'est toi qui dois les traiter, ce n'est pas à Dieu. Oh, dis-moi amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Les faiblesses, c'est à toi de les traiter. Dieu ne s'occupe pas de ces faiblesses-là. Mais seulement, ces faiblesses-là, pour le niveau de ta montée, vont constituer un handicap. Il y a des problèmes qui nécessitent une réaction au quart de tour. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas la prière. Non, mais est-ce que je parle? Amen. Il y a des problèmes qui nécessitent la réflexion. Amen. Tu t'assieds, tu examines et tu réfléchis. Pourquoi ma souffrance est toujours continue? Pourquoi des choses là se répètent? Dieu ne traite pas les problèmes de faiblesse. Vous ne me comprenez pas? Dieu ne traite pas les questions de faiblesse. Parce que même dans la faiblesse, il t'utilise. Voilà, vous pouvez appeler, vous pouvez déjà appeler et écrire. Nous allons vous recevoir. Nous voulons vous encourager. S'il y a un appel, vous pouvez prendre. Allô? Oui, bonsoir. Shalom. Allô, shalom. Oui, papa. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Monsieur? D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? D'accord.
comme on venait de vous dire, que Jésus a apporté la solution à chaque problème. Donc restez connectés, nous allons prier pour vous à la fin de l'émission. On va prier, parce qu'il y a des gens qui nous appellent, il y a des gens qui ont des problèmes. Apôtre, il y a des gens qui appellent, il y a une soeur qui nous a appelé, elle a un problème dans son foyer, dans son mariage. Je disais ici, le Saint-Esprit est notre consolateur. Il console ceux qui plaisent. Amen. Donc toi qui es en train de plaire, c'est ton temps maintenant. Nous allons prier d'abord pour les gens qui ont des problèmes dans leur foyer. Il y a un numéro du Gabon qui nous appelle. Allô, rapidement, rapidement. Oui, bonsoir, rapidement, rapidement. Ok. Mmh. Ok. Ok. Mmh. D'accord. Okay, amen. D'accord, maman, on prie maintenant. Apôtre, nous allons d'abord prier pour les gens qui ont des problèmes de mariage et dans le foyer. Mm. Et après, pour les gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Nous prions d'abord pour les gens qui ont des problèmes de mariage. Prions. Dieu de miracles, Dieu tout-puissant, toi le maître des esprits, toi qui envoyas ta parole pour guérir. Ce soir, nous voulons prier pour ceux qui ont des problèmes dans des foyers, dans des maisons. Tous ceux qui ont des problèmes d'entente, de compréhension, d'instabilité. Père, nous voulons arrêter les fléaux dans ces foyers au nom du Seigneur Jésus et annoncer l'année de grâce, de joie, de témoignage, de bon vivre dans les maisons au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que celui qui prie est capable de tout. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Au nom du Seigneur Jésus, apporte la paix, la joie dans des maisons, la joie dans des foyers. Que les malades reçoivent maintenant la guérison. Au son de notre voix et par ses prières, Père, que les malades se relèvent, que les paralytiques se relèvent, que les boiteux marchent, que les aveugles recouvrent la vue, que les femmes stériles conçoivent au nom de Jésus, que les femmes enceintes accouchent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les hommes paralysés soient restaurés dans le nom de Jésus, que ceux qui ont des blocages, les portes les soient ouvertes. Père, par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous voulons les bénir et les recommander à ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons prier pour notre nation. Déclarer la paix dans ce pays. Que les institutions soient en paix. Dans 3 jours, nous allons fêter la fête de l'indépendance. Père, que tout se passe bien. Que l'indépendance annonce réellement l'indépendance des enfants du Congo, du peuple congolais, des autorités congolaises. Que nous soyons délivrés, indépendants de toute servitude. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette fête soit bénie, que les familles soient bénies et visitées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, au milieu d'une multitude, Dieu te fera briller comme le soleil. Amen. Si tu me donnes amen, je proclame et je prophétise dans ta vie. La faveur de l'Éternel te fait réussir là où les autres ont échoué. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Le joug qui maintient ta famille, ton mariage, ta santé en captivité n'aura aucun effet sur toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Et ce soir, ton histoire va changer. Yes. Et je prie que l'Éternel Dieu commence à arroser ta vie. Et je te communique la guérison, la bonne santé. De la même manière, dans 3 jours, nous allons fêter la fête de l'indépendance. J'annonce, je décrète et je déclare dans ta vie l'indépendance dans tous les domaines de ta vie. Yes. Au nom puissant de, Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je t'invite ce soir, toi qui es à Brazzaville, à 18h jusqu'à 21h. Donc nous avons 10 jours de prière, de 18h à 21h. Nous sommes là
à la cité du roi des rois, en Pilate, référence Paul à Thésée Pilate, viens, tu es mon invité et tu verras la main de Dieu. Appelle-nous après l'émission, on va prier pour toi, écris-nous sur WhatsApp sur le premier numéro et on va te répondre. Soyez bénis et restez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix règne dans votre maison. Amen.